Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous raconter une petite anecdote hier parce que j'étais au concert des Who. Vous savez, ceux qui chantent Who are you? Tip, 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 I really wanna know. Je chante très mal. Le concert était oufissime, c'était avec un orchestre symphonique en plus, donc c'était vraiment. Il y avait un côté épique, enfin c'était vraiment trop bien. Et j'ai pas pu m'empêcher de repenser à l'anecdote dont je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques années déjà, sur le fait que bah, c'était les Who à qui on devait notamment les effets de lumière, les effets laser dans Alien 1. Parce que c'est eux qui avaient prêté leur jeu de laser, leur set de lumière laser pour Ridley Scott en fait, set qu'ils utilisaient pendant leur concert dans les années 70. Bref. Il y a aussi ce moment où j'étais à côté d'un type et on discutait et je lui ai sorti, je lui ai parlé de ça. Le mec s'en foutait totalement, il m'a regardé, il a fait ah ok. Mais les Who, et puis il a continué. Enfin, moi j'étais genre bon bah. Bon. Ben voilà. Bon, pour en venir au sujet de la vidéo va parler du Xenomorph Garde Royale. C'est une nouvelle entité qui rejoint les ruches Xenomorph, qui a été créée par Tris Rex, un artiste FX qui vit aux États-Unis, avec qui j'ai pris contact. Je vais vous en parler plus dans la vidéo, je mettrai tous ses liens. Je le remercie encore énormément d'avoir pris le temps de me répondre, on a échangé pas mal, de m'avoir envoyé un mail, de m'avoir accordé l'autorisation d'utiliser ses photos. Merci du fond du cœur, il fait un travail de ouf. Allez voir sa page, abonnez-vous, suivez son actu, ce gars, il fait rêver. Vraiment, il fait rêver et il fait des conventions où il présente ses créations, d'où aussi la présence du garde royal sur certains stands de convention aux États-Unis. Bref, vous allez voir, la vidéo va être assez intéressante. C'est une nouvelle création. Mesdames et messieurs, faites place à la nouvelle créature qui rejoint les hordes de Xenomorph, le Xenomorph garde royal. Et oui, dans cette vidéo, comme je vous l'avais expliqué, on va parler du garde royal, à mi-chemin entre la reine et le prétorien. Massif, ce monstre, qui est proprement terrifiant, n'est pourtant pas dans le canon officiel. Il est le fruit de la créativité d'un artiste FX du nom de Tris Rex, avec qui, comme je vous disais, j'ai pris contact ces dernières semaines pour en savoir plus sur son travail. Dans un mail qu'il m'a transmis, il m'a expliqué que la créature était un monstre 100% original de sa part. Inspiré par le comics Alien Défiance, le jeu vidéo Alien Fireteam Elite et évidemment le travail de Stan Winston sur la terrifiante et légendaire reine alien du deuxième film Alien, il m'a expliqué avoir voulu créer ce monstre afin de donner un petit vent de fraîcheur dans les ruches xénomorphes en mettant en place une forme de chaînon manquant entre la reine et les guerriers. Le rôle du monstre dans la ruche est principalement un rôle de leader sur les drones et guerriers. Et leur mission, eh bien, c'est d'assurer et de renforcer la protection des reines ou de la reine s'il n'y en a qu'une. Je dirais même, si je peux extrapoler et imaginer, qu'un monstre aussi colossal n'apparaîtrait que dans des ruches de taille conséquente. On peut donc imaginer que la créature pourrait également être porteuse d'œufs contenant des embryons de reines, offrant une alternative dans le cas où la reine viendrait à périr. On peut même supposer que, au vu de la taille massive de la créature, eh bien, on pourrait avoir une épaisse chitine rendant le monstre quasi invulnérable aux tirs d'armes légères, voire même d'armes lourdes. Le seul moyen de l'anéantir, ce serait peut-être un déluge de flammes, ou comme le disait si bien Ellen Ripley dans Alien 2. Alors évidemment, pour le moment, eh bien, il n'y a pas assez d'infos pour faire 5 faits dessus. J'espère que Tris Rex va développer un petit peu le lore pour pouvoir amener la chose. On espère aussi que, ben, pourquoi pas à l'avenir, la franchise Alien s'inspire du design de Tris Rex pour pourquoi pas rajouter une nouvelle créature dans les ruches. En attendant, eh bien, un petit message en anglais pour Tris Rex. Thanks a lot, buddy, for sharing everything you did with me. Thanks for answering all my questions. All the best to you, and I hope to. Well, again, work with you and see more of your stuff. Thanks a lot. Et message à vous, les calamars, foncez voir sa page Instagram, c'est juste du bonheur et du eye candy pour les fans d'Alien, mais aussi pour les fans d'autres franchises, puisque le gars a un talent fou, il fait des costumes absolument géniaux.